Je crois que c'est notre frère
chuma kieleo pale upande wa nini asante kwa sana naturalité je dois vous dire que notre président là où il est aujourd'hui il est fier de vous. Il suit en direct tout ce qui se passe dans cette salle. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, qu'il sache que c'est lui qui est dans le cœur à Conakry. Aucune difficulté ne peut nous dérailler du chemin que lui est obligé à fixer. En ce qui concerne le dialogue qui était annoncé, qui a eu certainement lieu, qui devait être clôturé le 15 décembre, c'est-à-dire avant-hier, je crois qu'il n'est pas encore clôturé. Mais ce que nous devons dire, qui doit être clair pour tout le monde, clair pour la presse, c'est tout simplement vous dire que les conclusions de cette rencontre n'engagent pas la coalition de l'UFDG à Mande, FDG allié et FNDC politique. Les conclusions issues de cette rencontre ne nous engagent pas. Nous respectons tous les partis. Même s'il a créé aujourd'hui un parti qui se engage aujourd'hui, nous le respectons. Donc les partis qui siègent au niveau de ce dialogue, nous les respectons. Mais nous avons le devoir de rappeler que les trois coalitions absentes de rencontre constituent au bas mot, je le rappelle, 90% de l'électorat guinéen. Toutes les élections confondues depuis 2010. La majorité doit respecter les idées des propos de la minorité. Mais la minorité dans tous les pays du monde, dans toutes les démocraties du monde, les minorités doivent accepter la décision des majorités. C'est ce que l'honorable Damao aimait à rappeler à l'Assemblée. Il dit, vous allez subir la dictature de la majorité. Malgré qu'on appelle la minorité de blocage. Mais il faut toujours rappeler. Les propositions des minorités, à condition que ces minorités acceptent la volonté de la majorité. Donc, dans quelques jours, les partis membres des coalitions que je vais décider, nous présenterons notre réaction, comme on vous l'a promis la semaine dernière, face à la déclaration au communiqué de la réunion des présidents des chefs d'État de la CDAO. Communiqué publié le 6 décembre 2022. Nous allons faire connaître officiellement notre position. Les aspects qu'on encourage
les aspects qu'on soutient, les aspects pour lesquels on se félicite et les aspects pour lesquels nous avons des remarques et pour lesquels nous allons présenter des propositions relatives à la sortie honorable pour la Guinée de cette crise. Le peuple de Guinée ne mérite pas une telle crise. Nous sommes là vivants. On danse, on chante. Nous avons des anciens gestionnaires qui sont devant les tribunaux. Nous avons des collègues qui sont encore à la sûreté. Nous qui sommes encore là devant vous, on se tiraille pour le dialogue. Nous sommes toujours demandeurs de dialogue et donc nous attendons le dialogue structuré comme la CDAO l'a si bien exprimé le 4 décembre 2022 lors de la dernière session. Donc vous restez mobilisés. Pour le moment, nous observons, nous attendons le mot d'ordre de nos dirigeants. Et là, je suis dans le tableau. L'honorable Sidy Touré et tous les autres. Ils sont parmi nous. On attend leur mot d'ordre. Soit de réagir à une décision quelconque du gouvernement, soit d'approuver à une réaction quelconque du gouvernement. Donc pour le moment, nous devons vous remercier et demander à ma femme et à ma d'autre femme de se préparer pour le samedi prochain. Je pense bien que la salle sera beaucoup plus près d'aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, je ne sais pas si Mateo 2 et Thomas ont été surclassés par la radio 2. Je ne pense pas. C'est vrai ou c'est faux? Vous allez me dire que c'est faux. En tout cas, bravo à la radio 2. Encouragement à madame et à Madodo 1. Je demande à mon ami Fofana, qui est de Madodo 2, d'épauler son ami Taylor de Madodo 1 pour qu'on n'ait pas honte. Parce que moi qui vous parle, je suis parrain. Combien de Madodo 1, 2 et 3? Donc si Madodo 1 est concerné, je suis moi-même après le titre concerné. Je vous remercie, que Dieu vous garde, que Dieu aide la sœur de l'Orient, que Dieu vous donne la santé.